Yo. Santa Johnny left a Vlogmas under a tree. Santa Johnny left a Vlogmas under a tree. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait un petit peu spécial de que. Voyons. On fait que le spécial de comme d'habitude. On fait un petit peu plus spécial qu'à l'habitude. Donc vous savez que sur notre chaîne, c'est plus des vlogs habituellement. Mais aujourd'hui, on avait envie de faire un petit challenge. Ouais. Un petit challenge, mais on n'a rien inventé, là. Ça c'est déjà vu. Là, on trouvait que c'était un concept pour le Vlogmas. Dans le fond, c'est on va aller au dolo, on va faire un swap de cadeaux. Fait qu'on va se donner un budget que 15-20$, là, on n'est pas sûr encore. Puis moi, je vais aller au dolo, acheter pour 15-20$ de cadeaux pour Johnny, sans qu'elle sache c'est quoi. Puis elle va faire la même chose pour moi. Après ça, on va revenir ici, on va s'asseoir confortablement devant le sapin. Puis on va se trader des cadeaux au Dolorama, puis on va voir c'est qui est le plus original que l'autre, pis c'est qui a acheté des cochonneries, pis qui a acheté des belles affaires. Ouais, fait que... On s'entend que ça reste du dolo, là, fait que elle aura pas un char. Fait que le but, c'est juste comme de se faire des petites surprises, pis de voir qu'est-ce que l'autre va trouver chez Dolo. Peut-être que les deux, on va avoir des affaires pareilles, parce qu'on y va la même journée, mais on ira pas en même temps, on va y aller un après l'autre. Fait que là, en route vers le Dolo, on sait pas si on a été clair dans nos explications. Bref, c'est un swap de Noël édition Dolorama. On peut-tu mettre le logo Dolorama, là? Ouais. Donc c'est ça le but, 15-20$, on va y aller chacun notre tour et on va faire roche-papier-ciseaux pour savoir qui commence. C'est vous qui va voter dans les commentaires pour qui a gagné. Check bien si on n'a pas toutes les mêmes enfants. Est-ce qu'il y a des règles, des trucs qu'on n'a pas le droit de mettre ou... Non. Et dans le fond, il faut que ça soit des genres de petits cadeaux. Peu importe, au pire ça peut être juste un cadeau à 20$ là. Ça m'étonnerait qu'il y ait de quoi à 20$ au dolo, mais... Moi j'ai triché et je vais aller chez Winner à côté. Fait que c'est peu importe là, c'est plus fort. On fait-tu le pour roche-papier-ciseaux okay. Ici? On fait un 2-2-3 ou juste un? Un 2-2-3. Roche-papier-ciseaux. Roche-papier-ciseaux. Ça veut dire c'est moi qui ai gagné? Ouais. Roche-papier-ciseaux. Roche-papier-ciseaux. T'as gagné. Ok, fait que c'est moi qui vais y aller en premier. Fait que là, on se dirige vers le dolo. T'es excité, là. Frame la mort. Moi, c'est toi qui viens de voir qu'est-ce que tu vas prendre. Moi, c'est toi que je veux prendre. C'est long, son petite affaire, là. Oh, j'ai trouvé ça difficile. C'était long? Ben c'était tough, aussi. C'est sûr que tu vas gagner, là. Ça va être bien plus facile pour toi que pour moi, là. Donc, je viens de revenir dans le tout. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'est sûr que Boyfriend va l'avoir plus facile. Puis c'est sûr qu'il va gagner, là. Parce que, tu sais, en tout cas. Déjà là, en partant, acheter des cadeaux à Boyfriend, c'est pas évident. Tu sais, moi, il y a plein d'affaires que j'aime toutes dans la vie, c'est mon problème. Fait que je suis pas mal sûre que ça va être plus facile pour lui. Ça a été long. J'ai trouvé ça vraiment plus difficile que je pensais. J'avais comme quelques idées de trucs que je voulais, puis finalement je me suis fait avoir. Puis je trouvais que les tablettes étaient vides, puis en tout cas il y avait pas autant de belles affaires que je pensais. Ça m'a coûté 25$, mais là-dessus j'avais un 3 équipes qui était pour le chat. Donc j'ai dépassé un petit peu le budget. Mais c'est ça, je suis pas épatée, mais tu sais j'ai quand même réussi à trouver des affaires. Parce que je voulais pas acheter des cochonneries pour acheter des cochonneries. Je voulais essayer de trouver des affaires quand même utiles. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Le boyfriend est parti en dedans. De voir combien de temps ça va lui prendre et là je vais l'attendre. Puis comment t'as trouvé ça? C'est atroce. Qu'est-ce qui est atroce? Fucking tough, asti. C'est dur, hein? Ouais. Mais tu vois, ça doit être un petit peu plus facile que moi, là. Ben oui, mais non, en même temps. J'ai hâte de voir. Tu sais, il y a des affaires que j'étais comme ah, ça serait nice, mais en même temps, tu sais, c'était pas un cadeau vraiment pour toi. C'était, tu sais, ça aurait été plus pour nous, genre. Ben moi, avec, il y a des affaires, ça, pis là, j'étais comme ouais. Yo, donc, on est back at home. Ouais, on est de retour à la maison. Donc, le constat. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ouais, pis je sais pas si c'est juste le Dolorama où c'est qu'on a été, mais il me semble qu'il y avait fuck all. Ouais, parce que moi, je pense que toi aussi, là, on s'était fait un espèce de plan. On avait des idées dans notre tête. Puis genre, moi, ce que j'avais comme idée, j'étais arrivée puis c'était vraiment décevant. Puis tu sais, on s'entend que oui, on fait cette vidéo-là pour le fun puis pour rire, mais on voulait quand même pas acheter 20$ chacun de ces cochonneries qu'on allait jeter, là. C'est ça, tu sais, on voulait quand même que ça reste utile. On pense quand même à l'écologie de la planète, hein?
Wow. Fait que, ouais, vraiment difficile, même que j'étais dans le magasin. Moi, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que ça m'a pris une éternité aussi. Mais d'après moi, j'ai fait ça quand même vite. T'as fait ça plus vite que moi, mais ça a quand même été long. Mais ouais. Je suis sûre que t'as vraiment pris quasiment la moitié du temps que moi, j'ai pris. Le plus, c'est que moi, j'ai juste fait une fois le tour. Lui, il dit qu'il a fait deux fois le tour. Ouais. Moi, pendant que je faisais le tour, à un moment donné, j'étais genre, j'avais rien dans mon bagnet. Puis j'étais comme, ok, mais pourquoi j'ai eu cette idée? J'ai fait puncher 4 madames, 2 messieurs. Il y a une affaire que j'ai failli prendre parce qu'il me faisait bien rire, mais il n'y avait pas taille rondeur. C'est des boxeurs. J'ai vu genre une paire de boxeurs, puis c'était même pas à bonne place de Noël. Là, j'étais genre, j'avais rien dans mon panier, puis j'étais genre, tabarnak, j'étais allé, moi, y prendre ça. Puis c'était trop petit. Oui, il y avait des décos de Noël que j'ai failli prendre, mais en tout cas, des affaires comme pour le sapin ou comme une couronne, puis j'étais comme, ah, je sais, en même temps, c'est plate parce que c'est pour nous deux en même temps. Fait que c'est pas vraiment pour toi et pour toi, genre. Ouais. Mais au début, j'aurais aimé ça, des affaires thématiques Noël, mais en tout cas. Ouais, mais là, ça aurait été impossible. C'était vraiment dur. Puis même dans les trucs de Noël, en tout cas, je trouvais qu'il manquait de choses. Puis c'était pas bien beau. Je suis vraiment déçue de Dolo cette année. Mais comme il dit, je sais pas si c'est le Dolo dans lequel on a été. Donc, bref, on va arrêter de jaser. Fait qu'on va y aller chacun notre tour. On va piger dans le sac de l'autre. Pardon, moi, je pense que j'aime mieux te les donner puis t'expliquer mon raisonnement. Ok, ben qu'on va y aller chacun notre tour. Fait que c'est toi qui vas commencer à me le donner vu que j'ai gagné. Je vais fermer mes yeux puis tu vas me le mettre dans mes mains. Ouais. C'est un masque. Ouais. C'est une bonne idée. Mais ça, c'est juste parce que justement, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis tout, il n'y a pas vraiment de gros raisonnement derrière ça. C'est trop gênant. En plus, je les ai pas vus. Hein? Non. Hey, toi, viens-t'en ici devant la caméra si tu veux chialer. Parce que quand je me promenais, je checkais les affaires. J'étais comme, ok, ça, c'est une bonne idée pour lui. Ça, c'est une bonne idée pour lui. Mais ça, je l'ai même pas vu. Fait que c'est un masque. Il n'y a pas le prix. Fait que ça devait être 1$. Non, j'ai rien pris qui était 1$. C'était tout. Plus cher, mais ouais. C'est pas écrit de prix dessus. Mais j'ai la facture. On va dire combien ça nous a coûté à faire. Donc c'est un masque Neutrogena hydrogel à 3,50. Soin hydratant et c'était 3,50. Vraiment une bonne idée. Bien contente. Mais t'es cette là. J'ai acheté moi quelque chose pour Takin. T'es un chial là. Ah Takin est dans CSPM ces temps-ci. Je sais pas quelle merde je vais te donner en premier. Oh les. C'est des gars. Ouais, mais j'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée, genre pour que tu laisses dans ton auto si t'as des meubles ou des affaires à transporter. Ouais. Tu sais que t'en as déjà une paire, mais je dis des fois tu les perds ou t'en as juste une paire. Non, mais c'est une super bonne idée, puis ils ont l'air d'être quand même de bonne qualité. Puis ils sont comme antidérapants, mais genre fâchés noirs. J'étais pas sûre de la grandeur, mais je trouvais que ça avait de l'allure, puis le prix en plus. La grandeur, d'habituellement, tu prends le plus petit monsieur, là, parce que j'ai des petites mains trapues. Mais je me suis dit que c'était une bonne idée utile. Ben, une petite affaire grande, mais correct aussi. Hein. C'est une bonne idée. Ils sont pas là, en plus. Et c'était combien? 3$. Ça, je l'avais vu, puis j'étais genre, j'espère qu'il va me get ça. Ça, puis là, j'étais mad parce qu'il y avait juste le paquet de la sortie, il n'y avait pas le noir. Mais en arrivant en caisse, il y avait les noirs. Fait que j'ai pris les noirs aussi. Ah, ça, je suis contente. Je les ai spotés, puis j'étais genre, mon tabarnak, j'espère qu'il va prendre ça. Là, je voulais pas acheter trop d'affaires de bouffe, puis de gâterie, tout, parce que je trouvais que c'était trop facile, genre. Fait que c'est de l'Elindor. Mes chocolats, j'aime pas ça dans le temps des fêtes, mais c'est vrai que mes préférés, c'est vraiment les noirs. Je te donnerais lui au chocolat blanc. Parce que moi, je serais pas sur le chocolat blanc. Des Reese. Ouais, je voulais pas de forme des Reese. J'ai essayé de t'en trouver thématique de Noël, mais il y avait pas encore. Là, j'étais genre en plus, il me semble qu'il y en a déjà plein à la maison. Ben, plein. Il me reste un de Halloween là, qu'on a acheté au jour, je pense. Ok. Ben, tellement j'ai une face niaiseuse en attendant mon cadeau, genre. C'est un foulard? Ça, c'est une bonne idée. Je vois qu'il y avait la couleur quand même belle, pis c'est comme neutre, fait que. Ben oui, c'est mon style. T'sais, tu vois que c'est un foulard de l'or à main. Ouais, mais c'est justement, tu sais, mais... tu peux le mettre pour aller gosser dehors, tu sais, même si tu salis ou tu te perds, on s'en calisse. Ouais, ça, c'est une bonne idée, pis c'est dans mes couleurs. Il était 3,50 et c'est le de la Sassy Collection. Vous êtes tous jaloux, allez tous vous le procurer. Ben, c'est une bonne idée, ça. Mais il est beau, pis il est quand même doux, il a du goût. Là, pis t'as pris un qui était beau. Mon taquin de joue dans le sapin. C'est des bas. Oh oui! J'ai mis des bas de Noël. Ils sont beaux, ils ont l'air petits par exemple, mais en même temps c'est élastique des bas. Ouais, mais j'aurais aimé ça que des plus grands là, ou qui font peut-être plus hommes, mais je me suis dit. C'est 1,25 chaque. Tu dis tout le temps que tu trouves ça beau les bas spéciales. Non, que... mais c'est 4 à 10, fait que. Ouais. Mais tu dis quand même que tu fais vite des trous dedans. Ça va faire des drôles de bas pour le temps des fêtes. C'est une des premières affaires en fait que j'ai. C'est une bonne idée. J'ai trouvé. J'ai trouvé quand même vraiment beau. Mais moi, le problème, c'est que j'ai trop des grosses filles pour porter des bas de même. Trop des gros mollets. Ouais.
Parce que ce serait le fun pour décorer tes tablettes de bureau. Ah, c'est une bonne idée. Je me demandais c'était quoi si j'étais dans des prairies périsseuses. Je ne savais pas que c'était des lumières. C'est hot. C'est la première fois que je vois ça, des ronds de main. Mais il y en avait une couple de modèles, puis je trouvais que ça faisait changement. J'ai pas vu ça non plus. Ça va être beau. Mais il y a des rangées qu'il y avait une petite madame, là. Ouais, des astis de bonne femme avec leur carrosse en plein milieu. Ah ouais, en plein milieu, là, puis que... En plein milieu de l'allée, puis ils prennent toute la place. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est des petites lumières. Rondes, ça va être vraiment beau. OLED, puis je me suis dit pour décorer son bureau. Puis ça marche quoi avec des batteries? Ben, j'imagine. Ah ouais, ça a l'air. Des deux A. Fait que très bonne idée, c'était 3$. Je suis fucking dans. Je pense que c'est la première fois que j'ai trouvé ça, je pense. C'est une vraiment bonne idée. Non, c'est pas vrai, c'est la deuxième fois. Ça, ça va être drôle en calice. Ah! C'est une seule leçon! C'est pour prendre mes bains. C'est l'option aussi. Ça, ça déshydrate encore. Yes. Puis je me rappelle pas si c'était dans un vlog que t'arrêtais pas de parler du sel d'Epson. Ouais, mais je pense qu'on l'avait coupé. Ou je l'avais coupé au montage. La première fois qu'il a pris un bain ici, ça faisait des années que t'avais pas pris de bain, ouais. J'imagine. Puis j'y ai mis du genre de sel d'Epson dans le... Puis là, il arrêtait pas d'en parler pendant 3 jours. Si je sais que le sel d'Epson, c'est... Ça déshydrate. Puis le bain, genre, j'étais en sueur, si, je perlais, c'était l'enfer. Comment que j'ai sué en prenant le bain. Mais dans le fond, c'est juste parce que le bain était fucking chaud. Il m'en a parlé pendant 3 jours. Le sel d'Epson, le sel d'Epson. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais genre, oh, c'est sûr, j'y prends ça. Mais attends, check, c'est. Il y avait plusieurs senteurs, là. Mais j'ai pris eucalyptus, je pense. Ouais, eucalyptus, je me suis dit. Sinon, c'était genre melon d'eau et je sais pas trop quoi. J'étais comme, non, pas vraiment son verbe. C'était 1,25. Fait que allez, courez tous vous acheter pour prendre le même bain de boyfriend. Ah, je l'ai vu! Pour tes estis de cheveux dans la douche. Je l'ai vu, j'étais genre, oh, je pourrais en acheter, ça serait pratique. Mais c'est plate comme cadeau, ça. C'est plus un cadeau joke. Il m'a acheté du drainon. Parce que c'est l'enfer, là, le drain de la douche, ses cheveux. Là. Fait que ça, c'est un liquide. Pour ceux qui savent pas, là, vous faut nettoyer vos tuyaux. Habituellement, c'est long là, avant de devoir les nettoyer. Mais souvent, ils se forment genre dans les tuyaux à cause des savons ou, mettons, dans un tuyau de... Je vais-tu leur expliquer comment entretenir mon tuyau? C'est un produit pour déboucher les tuyaux. Ouais. Mais c'est drôle. Et ça a coûté combien? 3,50. Hey, maman, j'ai eu du drainon pour Noël. Tu restes bien des affaires? Ouais. Moi, il m'en reste juste une. Ben d'abord, je vais t'en donner une coupe. Il me reste 4 affaires. Chris. Non, même 5. Tu virais folle? Bon, ben je vais. Ben pourtant, ça m'a coûté le même. Ça doit être des noix, des cachous. C'est ça. J'aurais dû le donner avec l'autre. On met les 3 en même temps. Ben je me suis dit, on a un peu ça à la maison. Je suis comme peut-être qu'il aimerait ça. Au lieu de la mousse. Ben, genre, ça a tout le temps l'air d'être nice, mais à chaque fois que je vois quelqu'un dans un vlog l'utiliser, est-ce que ça n'a pas l'air satisfaisant? Ben c'est ça, mais je me suis dit, on l'a jamais essayé. C'était 1,25. Ben en fait, j'aurais dû te le donner, c'était comme. Hey, j'ai un point ici. Tu me fais-tu une crise cardiaque en live? Non, c'est un point comme quand que, genre je fais de l'anxiété ou... Ben, je te rends stressée. Mais toi, c'est la plus grosse source de stress et d'anxiété dans ma vie. T'es même pas loin. Des gars? Ouais, pour qu'on va prendre des marches, je veux que t'aies jamais de mitaines chaudes. Je trouvais qu'elle avait l'air un peu cheap, là, mais gars, c'est trop petit. Non, ils sont parfaits, c'est juste qu'ils sont faits bouffis, genre. Ouais, ils vont sûrement... Ouais, c'est une bonne idée. Je sais que t'en as pas à part tes petites gants de cuir, là. Puis tu sais, c'est pas ça qui est plus chaud, là. Un gant en laine polaire. C'était 3$. Ouais, merci. C'est une crèche. J'ai eu 2 paires de gants. Ok, fait que lui, il me reste 3 cadeaux. Toi, il t'en reste combien? Il m'en reste 1. Ok, bon, ben, je suis en train d'en donner un autre. Mais ça, c'est peut-être plus pour nous deux, là, mes gars. Ah, c'est en plus, j'ai pensé à ça aussi. Un briquet. Un briquet à bougie. Ça, c'est une bonne idée de cadeau de Noël. Tu donnes ça avec une bougie aura. Ouais. Un cahier. Ouais, c'est un cadeau plate, là, mais... Ouais, un cadeau plate, mais moi, j'en ai tout le temps besoin de mais cahier. Mais je savais pas si t'en avais besoin en ce moment ou si t'en avais plein. Je t'avais, elle est due. Moi, je me suis dit au prix que c'est, moi, y prendre, puis... Fait qu'il me reste juste une affaire, fait que tu peux me donner... J'ai une tasse. J'ai checké en est. Mais la couleur, je trouvais que ça me faisait penser un peu à la... Mais au bleu-gris de fœtus. Mais elle est belle. J'ai juste la poignée qui est un peu petite. Mais moi, avec, j'étais mindée, genre, ah, oh, des fois, il y a des belles tasses au dolo. J'étais comme, m'a pogné une tasse. Christian, n'avait pas de temps des belles, là. C'est la seule. Tu sais, comme ça, ça aurait pas fait toi, fait que je t'aurais pas pris ça, là. Là, il y avait des tasses, j'aime maman.
Ouais. Je fais comme peut-être qu'il y en a de papa, moi il prend ça aussi juste pour rire. Même si c'est Gaétan dans le style, genre, mais c'est juste pour rire parce que c'est ouais. Gaétan dans tabarnak. Mais il y avait juste des j'aime marrant, je fais genre tabarnak. Ouais, bien. Puis c'est le genre de format que j'aime. Là. J'ai failli l'échapper. Des cartes, un Uno. On l'a pas ce jeu-là. Ouais, mais c'est une crise de bonne idée. Uno, mais je sais pas pourquoi. Express, c'est-tu parce qu'il est plus petit, genre. Peut-être. Ben, j'ai trouvé. Ça, quand je l'ai vu, j'étais contente. J'étais comme ça, c'est une bonne idée, là. C'est un jeu. Donc, ça a coupé parce que ça fait trop longtemps qu'on vous parlait. Donc, on s'est quand même bien débrouillé, je pense, plus que je pensais. Là, je regarde mes affaires, puis je suis comme c'était haut. Puis, je regarde que, tu sais, j'étais comme tantôt, j'étais vraiment capotée. Ouais. C'est quand même pas si dramatique là. Donc vous nous direz dans les commentaires qui vous trouvez s'est débrouillé le mieux. Puis ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ben simple de même. Vous nous direz également si vous avez aimé ce genre de challenge. Puis c'est ça, on vous fait des gros bisous. Petite accolade. Puis oubliez pas de nous mettre un j'aime s'il vous plaît. Ça a l'air trop bitch hein, ça. Oubliez pas de nous mettre un j'aime ou de nous aimer tout simplement. Ouais. Mettez-nous des j'aime, ça nous aide vraiment. Moi, abonnez-vous. Parlez de nous à vos enfants, à vos parents, à vos soeurs, à vos frères, à vos cousins. À vos chats. Et quand vous allez à l'épicerie, la petite caissière, parlez-leur de nous. Ouais, dites-leur d'aller nous écouter. Ouais. Donc, trêve de plaisanterie. On vous aime, puis on se voit demain, tout simplement. À demain! Bye, Stéphano! Santa Johnny left a Vlogmas under a tree. Santa Johnny left a Vlogmas under a tree.